Soyez tous bénis. Voilà. Ok, grâce divine dans chacune de vos vies. Amen, amen, amen. C'était votre salutation. Amen. Alors, sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Mais en fait, quand je dis dans la parole de Dieu, c'est dans l'esprit de notre thème du jour. Je vais entendre vous, amen. Hein. J'ai besoin de quelques minutes. Amen, 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 amen. amen. Voilà, je vous sens pas trop. Hein. Amen, on a l'air Amen, d'être. amen. Ok, gloire à Dieu. Amen. Alors, déjà en tant que prophète intercesseur, bon, je vois déjà qu'on a pris à cœur les révélations et les orientations prophétiques de la traversée. Donc, en dehors de la traversée, l'Esprit du Seigneur, excuse-moi, je pense que l'onction prophétique va continuer au MS Life et au Night Fire. Il y a des orientations prophétiques que je vais vous donner. Donc, il faudrait qu'ils soient vraiment bien notés et qu'on puisse prier, vraiment intercéder par rapport à tout cela. Alors, dans les prophéties du 31, certaines ont fait mention de ce que le mois de janvier et de la mi-février, voilà, pendant que nous allions confesser la victoire, l'ennemi, de son côté, allait tenter des sacrifices humains pour posséder l'année, des sacrifices, des vies. Et l'Esprit avait dit qu'il risquait d'avoir, parce que ce n'est pas une fatalité, on peut contrer cela, il risquait d'avoir des accidents étranges, des morts subites, etc. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays, mais en ce moment, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de morts étranges. Ce matin encore, vers l'école de mes enfants, vers Bergerville. Il y a eu un carambolage où un véhicule est venu cogner un véhicule scolaire par l'arrière. Voilà des enfants qui partaient à l'école, deux petits-enfants, et les enfants sont décédés. Voilà, ce matin, vous voyez comment ça peut être triste pour une maman, des parents qui envoient leur enfant à l'école. Et comme ça, il y a cinq jeunes dames qui sont décédées, il y a des personnes sur lesquelles l'échafaud est tombé, des accidents de car, des accidents de camion, voilà. Donc, ça, ce sont les conséquences dont je vous parlais des proclamations sataniques venues du deuxième ciel pour envahir l'environnement de la mort et recueillir du sang innocent et pour pouvoir assouvir certains desseins. Alors, ce que je dis là, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire, et la vision telle que je l'ai reçue, ça va être quelque chose de mondial. Donc, j'ai quelques infos concernant la Côte d'Ivoire, mais vous qui êtes dans vos pays, faites très attention. Et au niveau des tours, au niveau de la prière d'ensemble, il faut que nous nous levions et que nous bénissions. Comment nous faisons cela? Nous bénissons. Et on va reprendre notre programme de bénir les rues. De bénir les rues. Donc, en marchant, on avait déjà eu ça précédemment, en marchant, annoncer la faveur de Dieu, annoncer la grâce de Dieu dans les carrefours, dans les endroits. Quand vous marchez, vous sentez qu'il y a une maison. Voilà, votre esprit prophétique va être très sensible dans cette période. Et ça va vraiment s'accentuer d'ici jusqu'à la mi-février. Ça va vraiment s'accentuer. En passant à des carrefours, en passant à des endroits, vous pourrez sentir des malaises, vous avoir des sensibilités. Et ouvrez la bouche et bénissez. Bénissez des familles, bénissez des maisons. Tu peux passer devant une maison et puis, dès que tu passes devant la maison, tu as une sensation de tristesse. Par exemple, l'Esprit de Dieu peut vouloir t'indiquer que, bénis cette maison parce qu'il peut y avoir un drame domestique. L'ennemi veut faire tomber, créer un drame domestique dans cette maison. Et tu bénis la maison. Et tu vas pouvoir ainsi éviter les difficultés. Donc, je voudrais qu'au niveau des tours, on puisse recenser l'atmosphère du début d'année, hein, au niveau des tours, qu'on puisse recueillir dans les tours, au niveau de chaque tour, l'atmosphère des villes et des pays sur lesquels vous êtes établi en mode d'intercession, et que au niveau de la tour, vous bénissiez et nous bénissons les régions concernées. Il y a eu beaucoup de prophéties concernant le centre de l'Afrique, concernant le Mali. Vous voyez ce qui arrive aujourd'hui au Mali. Une des prophéties disait que le Mali, ça allait être très délicat. Alors, nous, les prophètes et sœurs, ne laissons pas ça comme ça. Donc, nous devons aller sur la parole prophétique parce que nous devons aller sur la parole prophétique concernant le Mali. Bon, tu vois, il y a bien qui parle encore des accidents. Donc, recensez au niveau des tours.
Voilà, et commencer, continuer de venir et accentuer. C'est notre appel, c'est notre ministère. C'est pourquoi nous avons cette formation. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre les dominations, contre les autorités. Mais Jésus-Christ nous a élevés au-dessus de ces puissances. Donc, si nous sommes connectés, si nous sommes sensibles, nous allons pouvoir intercepter, contrecarrer et sauver des vies. Amen. Sauver des vies. Donc, restez focalisés, restez concentrés. Restez concentrés. Nous sommes en guerre spirituelle. On va vers la fin des temps et l'ennemi mise beaucoup. Alors, une des raisons pour lesquelles ce sacrifice-là va s'accentuer, c'est que le diable va tenter, avec la maladie appelée VID0, de faire, d'envoyer des variants, un variant, pour créer beaucoup de morts. Cette fois-ci, beaucoup de morts. Mais nous, nous sommes en train de bénir, de prophétiser que la vague actuelle, là, se transforme comme une immunité collective et qu'elle puisse protéger les humains et que nous sortions de ce système-là qui vient paralyser le monde, qui veut empêcher les évangélisations, empêcher le travail de Dieu tout en prenant énormément de vie pour pouvoir faire entrer et avancer vraiment dans l'avènement de l'Antéchrist. Donc, les esprits, comment dirais-je, tout ce qui n'est pas sur la terre rentre sur la terre par des portes de sang. Pour que nous naissions, nous passons par le ventre de notre mère, qu'elle soit césarisée, que ce soit par naissance basse, par naissance normale, il y a une affaire de sang. Donc, la vie vient dans la terre par le sang. La vie vient dans la terre par le sang. Donc, quand l'ennemi veut incarner les forces du mal dans des personnes, il faut des sacrifices. Et ce sont ces sacrifices-là qu'il essaie de faire maintenant. Donc, prophète, bénissons les nations, bénissez les carrefours, les maisons, les endroits. Prophétisez, déclarez afin que la protection divine et la bénédiction divine soient là. Amen. Je ne dis pas que nous allons faire un empêchement à 100%, mais on va préserver. Par exemple, peut-être que les accidents qu'on a vus auraient dû causer beaucoup plus de morts que un ou deux. C'est dommage qu'il y ait une personne qui parte, mais ça aurait pu être pire. Voilà, ça aurait pu être pire. Donc, et avec ces signes-là que nous voyons déjà en début d'année, nous pouvons faire en sorte que leur plan s'arrête beaucoup plus tôt et qu'ils ne... Voilà. Vous voyez, en mode de sentinelle, nous connaissons l'histoire de Élisée qui, chaque fois que le roi planifiait ses plans de guerre, des stratégies d'attaque, Élisée avait la vision de ce qu'il planifiait et il permettait à Israël de pouvoir échapper au plan du roi de Syrie. Ouais, il permettait à Israël de pouvoir échapper au plan du roi de Syrie. Donc, c'est ça les sentinelles, c'est ça l'esprit sentinelle prophétique, c'est-à-dire qu'il veillait et il voyait ce que l'ennemi est en train de préparer. Amen. Donc, au niveau des tours, je ne dis pas que toutes les révélations sont à prendre au sérieux, mais il faut quand même, il ne faut pas les sous-estimer. Donc, qu'on recueille au niveau des tours, s'il y a des avertissements concernant certains pays, qu'on les recueille, les équipes chargées de faire le tri, qu'on les lise, qu'on fasse le tri, que ceux qui m'écoutent vraiment, bon voilà, vous ne racontez pas n'importe quoi, pour l'essence, c'est pour cet esprit, vous-même, prenez le temps d'éprouver si vous avez des songes et des visions, que cela vient de Dieu, et puis présenter l'écrivain pour que nous puissions intercéder et prier pour les nations. Amen. C'est vrai, amen. On a adressé les autels de prière concernant la famille, le mariage, etc. Mais n'oublions pas notre première vocation qui est l'intercession pour les peuples et pour les nations. Amen. Donc, nous devons continuer pour que vraiment cette pandémie-là puisse se taire. Elle a tué énormément de vies. Pasteur José me dit comment, je crois qu'on a perdu une sœur au niveau de Montréal de cette maladie. Donc, nous devons rester vigilants et rester dans la prière. Amen. Amen. OK. Donc, amen. Pour ce qui est... Je vais demander, est-ce qu'au niveau de prière 24, on a le texte des prophéties de la traversée? Est-ce que vous l'avez officiellement? Oui, pasteur. Peut-être que chacun. Vous l'avez? Oui, pasteur. D'accord. Donc, en fait, on l'a, pasteur. OK. En faisant cela, vraiment, on marque les points de prière et puis vraiment, on est là-dessus. OK, que
C'est ce que je voulais vous dire. Après mon exhortation, je vous donnerai encore quelques exhortations, quelques adjectifs prophétiques que vous allez ajouter au niveau de ces points de prière pour pouvoir intercéder. Mais souvenons-nous vraiment du Mali. L'Esprit a dit que ça allait être délicat. L'Esprit a dit que ça allait être délicat. Donc, délicat, ça veut dire que ça peut basculer. Ça peut basculer, voilà. Ça peut basculer parce que l'ennemi va essayer vraiment de durcir les positions. De durcir les positions au point où vraiment, pour ne pas perdre la face, les gens vont utiliser vraiment des moyens et cela peut avoir des effets négatifs sur la population. Hein, sur la population, voilà. Donc, nous prions Dieu que vraiment Dieu tende sa main, qu'il amène la paix, qu'il amène l'entente et que Dieu tende sa main, voilà. OK, que notre Seigneur soit béni. Amen, amen. Amen. Alors, nous revenons donc à notre enseignement, le combat des sentinelles. Amen. Le combat des sentinelles. Quelqu'un dit avec moi le combat des sentinelles. Le combat des sentinelles. Alors, on va lire ces passages. Excusez-moi, j'arrive à les enfants. Alors, premier passage à lire, 1 Pierre, chapitre 1, verset 17 à 21. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17 à 21. Premier passage, Éphésiens, chapitre 1. Chapitre 1, verset 4 à 6. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Ça, c'est la deuxième zone. Après, on va dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 4. Oh, pardon, d'abord, Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3. Chapitre 3, verset 1. On va lire du verset 1 à 10, mais je vais subdiviser. Hein, Exode chapitre 3, des versets 1 à 10, mais je vais subdiviser. Donc, chapitre 3, le premier lira du verset 1 au verset 5 et le second du verset 6 au verset 10. Donc, deux passages à lire, 16:3, verset 1 à 5 et verset 6 à 10. Et puis, on va dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, verset 11.
chapitre 2, pardon, verset 11 à 15. Verset 11 à 15. Voilà, ça nous fait combien de passages à lire? 5. 5. Et le sixième qui sera donc, allez, Romains chapitre 8, verset 26 à 30. Non, pardon, avant Romains chapitre 8, verset 26 à 30, on va plutôt nous lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et après, Romains chapitre 8, verset 26 à 30. Voilà. Ça nous fait combien de lecteurs? 7. 7 lecteurs. Donc, je pars à la désignation des lecteurs. Love Gombe, tu vas lire un passage, le premier. Guylaine Tchangwe, Aimé de Belgique. Donc, Love Gombe, Guylaine Tchangwe, Aimé de Belgique. Sidibé Fili, Kifa Aoudou, William, de William et Jocelyne. Donc, j'ai dribblé Jocelyne, j'ai pris William. Et Jocelyne, c'est pas grave, tu l'iras plus tard. Il me reste combien de lecteurs? Merci, pasteur. Aladjou Agnon. OK. On va aller pour les lecteurs. Je peux lire? Oui, oui, on commence. Hein, commencez. Moi, je disparais de minutes, je vais prendre un peu d'eau à boire. OK? Voilà. Je lis la parole dans 1 Pierre 1, verset 17 à 21, au nom de Jésus. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance repose sur Dieu. Éphésiens 1, 4, 6, Guylaine Tchangwe. Est-ce qu'on a ouvert ce micro chez lecteur? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Moïse faisait peindre. Ça, c'est un autre passage. Merci. Oh, sorry. Exode 3, verset 1 à 5. Aimé de Belgique. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Hérob.
L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phériziens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Aimé, vous allez finir votre lecture. On va passer à Sidi Philippe. Amen. Exode 3, versets 9 à 10. C'est qui, Elisa? Sidi B. Philippe. Exode chapitre 2. Versets 11 à 15, c'est ça? Non, vous terminez Exode 3 à partir du verset 9 et 10. D'accord. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Exode 2, le verset 11 à 15, Kifa. Exode 2, verset 11 à 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Verset 15, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Amen. Amen. Éphésiens 2, 10, William de Jocelyn. William. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. 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 C'est tout? Non, pasteur, il reste un verset. Il reste Romains 8, le verset 26 à 30 à la Dieu. Ah oui, c'est vrai. OK. C'est qui ça qui lit? Oh, Abladjo Agnon. Vous pouvez ouvrir votre micro, on vous a donné la main. Abladjo Agnon. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières.
mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Je vais entendre bon amen. 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 Et gloire à Dieu. Amen. Alors, le combat des sentinelles est basé sur le dernier texte qu'on vient de lire, comme je vous l'avais dit précédemment. Alors, le combat des sentinelles, c'est un message dans l'ensemble qui vient pour te permettre d'être affermi dans ton ministère de sentinelle, pour pouvoir t'orienter dans les sujets pour lesquels Dieu veut t'appeler, pour réactiver ton appel, pour savoir exactement qui tu es, te permet de trouver vraiment ta destinée en tant que prophète intercesseur. Amen. Ça va t'orienter dans ton ministère prophétique. C'est ce vers quoi nous sommes en train de partir. Donc, par la grâce de Dieu, te rendre encore plus efficace et manifester davantage vraiment l'appel que tu as reçu du Seigneur. Amen. 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 OK. Alors, donc, le dernier texte est celui par lequel je vais commencer, et puis on va comprendre un peu les autres par la suite. Et l'objectif, ça va te permettre de savoir, tu es confronté à quel type d'attaque, en fait. L'objectif, c'est que tu comprennes. Quand on parle du combat des sentinelles, je vais parler des attaques qui se dressent contre toi, et pour que tu comprennes leur sens, le but, et que tu puisses t'ajuster par rapport à cela. OK, tu puisses t'ajuster par rapport à cela. Là, pour le moment, je suis dans la partie qu'on avait commencé la dernière fois, qui concerne l'élément de la prédestinée. Donc, il y a des combats qui sont relatifs à la prédestination de chacun d'entre vous. Alors, les combats qui sont relatifs à la prédestination, même si tu n'es pas à l'âge de la prédestination, il y a certains d'entre vous qui m'écoutent, mais qui sont déjà à la classe de l'appel, qui sont déjà au niveau de l'appel. D'autres sont à la phase de la justification. D'autres encore sont à la phase de la glorification. Mais chacune des étapes est vraie simultanément, c'est-à-dire que ma justification peut être entachée si ma prédestination n'est pas restaurée en tant que telle. Ou mais je rattache la notion de prédestination avec la notion de prédisposition. Amen. Alors, tu vas bien me comprendre par la suite. OK. Donc, déjà, le passage de Romains chapitre 8 est assez clair en lui-même. Hein? Il nous donne déjà les couleurs qu'il s'agit de l'intercession. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Amen. Amen. Donc, il dit que le Saint-Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. Amen. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc, ça veut dire que quoi? Que si l'Esprit nous aide, nous allons savoir comment prier, quoi faire. OK? Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Donc, ça, c'est la vie des chrétiens normaux. Les chrétiens habituels, lorsqu'ils prient en langue, l'Esprit intercède. Mais une sentinelle va comprendre le langage de l'Esprit, soit par des songes, par des visions, par des orientations. OK? Donc, notre formation, c'est d'amener, de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc, si je comprends l'aide du Saint-Esprit, je vais savoir ce que je dois demander. Je vais comprendre mes prières. Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous ne combattons pas dans le vide. Donc, vous voyez, cet enseignement-là et cette formation-là va te permettre d'être quelqu'un de précis, qui ne va pas frapper dans le vide, mais qui va être très efficace. Que Dieu te rende efficace pour ta destinée, pour ta vie, pour ta famille, etc. Amen. 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 Et donc, de même, l'Esprit nous aide. Donc, l'Esprit vient nous aider. Quand je parle de combat de ta prédestinée, il va t'aider. Si ceux qui sont au niveau de l'appel, l'Esprit va t'aider au niveau de l'appel. Il va t'aider au niveau de chacune des étapes. Il dit donc,
car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, le Saint-Esprit prend le relais de l'intercession. Amen. Amen. Donc, chaque chrétien a de, en tous les chrétiens a de l'intercession. Alors, ceux qui sont les prophètes intercesseurs, et en l'occurrence ici, en spécificité, les sentinelles, vont être plus sensibles, en fait, à ce que l'Esprit est en train de dire pour pouvoir formuler la prière pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Alors, c'est quoi la différence? Vous avez l'exemple de Pharaon. Pharaon reçoit un songe qui lui annonce les temps de faveur et les temps difficiles, les vaches grasses, les vaches maigres. Donc, il voit les temps de faveur, il voit les temps difficiles. Donc, il a une vision de sentinelle, mais il ne sait pas, il ne comprend pas. Pour lui, c'est une intercession, bien c'est une vision inexplicable, qu'il ne comprend pas, incompréhensible pour lui. Elle est incompréhensible pour lui. Et ça, c'est le cas de la plupart des personnes. Okay? La différence avec Joseph qui arrive, c'est que lui, Joseph s'est composé avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'Esprit qui a donné la vision à Pharaon, Joseph, lui, s'est composé avec le Saint-Esprit. Donc, il comprend dès lors qu'il a reçu une orientation, que Pharaon a reçu une orientation par rapport au futur. Amen. Donc, l'intercesseur en tant que tel, c'est celui qui va... La sentinelle est capable de décoder, va être capable de décoder. Et décoder les songes et les visions en fonction de ton appel. C'est-à-dire que c'est au moment de l'appel que ces aptitudes-là te sont données. Amen. Et tu auras besoin progressivement de ce qu'on appelle la justification, etc. Donc, beaucoup d'entre vous sont déjà dans ces étapes-là. Mais pendant que je vais prier, le Saint-Esprit va vous restaurer, vous renouveler, et puis vraiment par la grâce de Dieu, après cette formation, nos intercessions passeront à un autre niveau de grâce, un autre niveau de puissance, un autre niveau d'efficacité. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. 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 Parce que nous ne savons pas ce qui... Bon, voilà. Il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Donc ici, c'est Dieu qui sonde les cœurs, il connaît la pensée de l'Esprit. Mais Dieu aussi peut t'amener à connaître la pensée de l'Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la Bible dit qu'on avait lu quand on commençait cette formation que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend pas garde. L'homme n'y prend pas garde, soit parce qu'il est distrait, soit parce qu'il ne comprend rien. Parce qu'il ne comprend pas. Est-ce qu'on peut dire que Pharaon n'a pas prêté garde à son songe? Il a prêté garde. C'est pourquoi il se souvenait du rêve. C'est pourquoi il savait que le rêve était important. Donc, il savait, mais il n'arrivait pas à le sonder. Il n'arrivait pas à le comprendre. Il n'arrivait pas à le saisir. Il n'arrivait pas à le cerner. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Il y a ceux qui oublient carrément. Et il y a ceux, par exemple, la plupart des personnes qui oublient sont des personnes qui ont un problème avec la notion de prédestiné. Ceux qui ne comprennent pas, ont des problèmes avec ce qu'on appelle la notion d'appel. Voilà, c'est-à-dire que je vous avais lu le passage où l'appel, Dieu est venu appeler Samuel, mais Samuel n'entendait pas, Samuel pensait que c'est plutôt Élie qui l'appelait. Ça a été un processus par lequel il est parti vers l'appel. Mais voilà, on peut rater l'appel parce qu'on entend la voix, mais on n'arrive pas à discerner. Que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit nous éclaire et puisse orienter chacun d'entre nous. Amen. 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 Donc, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. Donc, on est en train d'aller vers l'intercession en faveur des saints. OK. Il dit, et on va maintenant au verset 28, qui est la suite. Donc, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Alors, l'apôtre Paul dit quelque chose de très important ici. Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, hein, et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tout ce qui arrive dans ta vie, si tu es appelé et que tu aimes Dieu, tout ce qui t'est arrivé a un but. Amen. Toutes choses concourent au bien. Donc, l'histoire avec ta famille, les combats,
dans ton enfance, les problèmes, ta difficulté à rentrer dans le mariage, tes batailles, les drames conjugaux que tu as connus, les drames familiaux que tu as connus, les moments favorables que tu as connus. En fait, toutes choses qui suivent dans ta vie est comme des pièces de puzzle qui doivent être mises ensemble parce que c'est orienté par rapport à ta destinée. Amen. Amen. Bien, amen. Amen. De ceux qui ont deux caractéristiques essentielles, de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, aimer Dieu, c'est ce qui nous a amené au Seigneur et c'est ce qui t'amène à m'écouter. Amen. 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 Donc, ça c'est simple. Parce que si quelqu'un n'aime pas Dieu, toute chose ne concourt pas à son bien. Amen. Mmh. Amen. Pour que toute chose concourt à ton bien, il faut que les deux éléments soient réunis. Que tu sois appelé selon son dessein, ça, je pense que c'est une des conditions qui est réunie pour la plupart des personnes, des humains. Tout le monde a une destinée. Donc, on a un appel de destinée. Et puis, lorsque l'amour de Dieu se met en place, ces deux ingrédients-là, une fois qu'ils sont là manifestés, alors on comprend que l'ensemble des événements qui sont survenus dans le passé, qui surviennent et qui surviendront, sont agencés dans notre vie pour servir à quelque chose. Donc, cette formation-là va te permettre de comprendre certaines choses qui te sont arrivées et de voir en quoi ces choses-là concourent à une destination précise. Alléluia. Amen. OK. Et donc, il continue. Donc, nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc, c'est là maintenant qu'on commence le process de l'appel. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. 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 Voilà. Excuse-moi, j'ai un petit truc à préparer. Ah, tu es Dieu. J'arrive, hein? Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Hein? Je vais suivre. Pardon, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Donc, on était déjà à la notion de prédestination. Bon, la première étape, c'est vraiment le fait d'être connu d'avance. Connu d'avance, on a lu les différents passages dans 1 Pierre, qui nous ont parlé de élu avant la fondation du monde, etc. Amen. Amen. Rapidement. Mais là, ça nous parle de un peu la spirale du temps de Dieu qui est au-dessus du temps. Je vous l'ai dit encore, dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. On n'est plus dans la notion du temps. On est en dehors du temps. Parce que quand le monde a été fondé, c'est là que Dieu a créé le premier jour. Donc, il n'y a pas eu de jour avant le premier jour. Mais il y avait l'existence. Dieu existait déjà. Donc, Dieu n'est pas dans le temps. Je ne suis pas dans ce que je crée. Dieu qui a créé le temps n'est pas dans le temps. Dieu qui a créé la terre n'est pas la terre. Si je fabrique une voiture, je ne suis pas la voiture. Je suis quelqu'un d'excellé dans la voiture. Voilà. Donc, Dieu a créé le temps, il n'est pas le temps. Il a créé le chronos, il n'est pas le chronos. Il a créé le premier jour, il a compté jusqu'à 7 jours, et il a mis le cycle. Il n'est pas dans le temps. Donc, Dieu est en dehors du temps. Ça veut dire que devant Dieu, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Tout. Les gens qui sont morts pour Dieu ne sont pas morts. Parce qu'il n'est pas dans le temps. C'est-à-dire pour mourir, là, il faut naître, il faut vivre, il faut mourir. Bon, Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est en dehors du temps. Donc, il voit tout le monde.
à tout moment. Amen. Il est en dehors du temps. Il est au-dessus du temps. Donc, par rapport à ce qu'il voit, qui pour nous représente le futur, il nous choisit d'avance pour que nous soyons la réponse à quelque chose qui va arriver après. Donc, c'est un peu comme je dis, le sang de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, on n'a pas besoin, avant même que tu aies péché, Dieu connaissait spécifiquement les péchés, il les a déjà pardonnés. Amen. Donc, quand tu vas faire un péché, ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Quand, le terme nouveau dit déjà que c'est dans le temps. Mais en même temps que le péché vient d'apparaître, c'est comme si quand tu es en dehors du temps, il existait déjà. Et Dieu là-bas avait déjà... Vous savez, Jésus est mort pour nos péchés il y a près de 2000 ans. Il est mort pour nos péchés il y a près de 2000 ans. Mais son sang est encore actif aujourd'hui. Donc, quand tu viens, c'est comme si tu savais déjà. Donc, Dieu, en dehors du temps, a déjà fourni les solutions à tous les problèmes qui allaient arriver. Amen. Voilà. Amen, très fort. Lorsque Dieu crée Adam, il le crée le dernier jour, le sixième jour. Avant donc que Adam ne naisse, Dieu avait déjà créé la nourriture parce qu'il avait créé les plantes, les poissons, les animaux. Il avait créé toutes les ressources. Adam devait manager la création. Dieu a créé tout ce qu'il doit faire avant de le créer. Et ça, c'est un principe. C'est-à-dire, toutes les ressources dont tu as besoin, tout le travail que tu vas faire, c'est-à-dire que quand Adam est né, ce n'est pas maintenant qu'on a créé la plantation, le champ. Dieu avait créé ça avant. Et puis, il est venu placer Adam. Donc, ta vie, là, Dieu a déjà tout tracé. Ce dont tu auras besoin, il a déjà tout tracé avant de te créer. Amen. Amen. En réalité, tout ce dont on a besoin est déjà acquis avant la fondation du monde. Amen. 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 Entrer dans ce qui a déjà été fait. Prendre la route qui a déjà été tracée. Saisir les choses qui ont déjà été données. Et puis pouvoir flot par le Saint-Esprit. Donc, quand on dit tu as connu d'avance, c'est-à-dire par rapport au problème qui allait arriver, il t'a posé toi comme étant une solution d'avance. Il a mis pour toi les ressources, les personnes. En fait, tout est placé par rapport à cela. C'est le fait parce que Dieu est en dehors du temps. OK? Donc, on ne va pas dire, mais si, ça fait ça, pourquoi? Il a permis que cela m'arrive. Il faut laisser tout ça là. C'est qu'il est en dehors. Si tu n'as pas compris qu'il est en dehors, il faut laisser tomber. Ce n'est pas grave. Amen. 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 Donc, il nous a prédestiné à être semblable à l'image de son fils afin que son fils fût le premier né d'entre plusieurs frères. Pour nous, nous savons que Jésus est notre avocat auprès du Père. Ça veut dire que Jésus est un intercesseur, Jésus est une sentinelle qui veille sur nous. Et il nous a prédestiné à être son image, donc ce qui veut dire aussi à pouvoir être comme lui, comme Jésus, être des intercesseurs et des sentinelles, un aspect du ministère de Jésus. OK? Et verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alors, c'est là vraiment qu'on rentre dans le circuit des étapes. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Donc, on peut parler de la notion de connaître d'avance. Ça, c'est ce qui arrive en dehors du temps. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Donc, on a la prédestination. Qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen. Amen. Alors, c'est là que j'avais un tableau à finir. Hein. Bon, je vais finir ça. Après, on les verra peut-être la prochaine fois, je ne sais pas.
Ok, donc, connaître d'avance, prédestiné, appel, justification, glorification. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, aujourd'hui, on ne va travailler, c'est-à-dire que pour le moment, on va travailler sur les trois aspects que je te présente maintenant. Voilà. Donc voilà les éléments. Bon, voici les trois éléments qui m'intéressent aujourd'hui. Donc connu d'avance, prédestiné, appelé. Mais après ça, on a la justification, on a la glorification. La glorification, c'est la dimension la plus élevée, c'est la dimension où tu rentres dans ton appel le plus, dans l'aspect glorieux de ton ministère. La justification, c'est l'arme, c'est quand vraiment tu utilises ton, c'est l'arme. La Bible dit, nous sommes justifiés par la grâce. C'est là que tu es vraiment équipé en fait, en tant que tel. Amen. Et ce que je vais dire, ce cheminement-là de cinq grandes étapes, hein, connues d'avance. Ce n'est pas vraiment une étape, c'est juste qui t'a connu d'avance. Okay? Prédestiné, c'est pas prédestiné, c'est vraiment l'étape 1. Appelé, justifié et puis glorifié. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est connu d'avance, prédestiné, appelé, justifié. Alléluia. Amen. 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 OK. Donc, voilà ce qui m'intéresse. Et aujourd'hui, plus précisément, on sera vraiment dans l'élément de la prédestination. Voilà. Ici. Parce que vraiment, c'est à partir de la prédestination, ce que j'ai entouré, que le combat réel se passe. Le premier combat des sentinelles a lieu là. Le deuxième combat va avoir lieu au niveau de l'appel. Le troisième combat au niveau de la justification. Le quatrième combat au niveau de la glorification. Alors, le combat de la justification, c'est un combat terrible. C'est le combat de la justification, hein, c'est là où beaucoup de gens ratent leur ministère. C'est là où on rate, on peut rater. C'est en ce moment-là où plusieurs vont choisir la justification par les œuvres. Vous allez voir des gens qui vont rentrer dans l'appel, dans leur appel d'intercession, mais avec, ils sont des prophètes, mais avec un peu de fétichisme, ils sont bizarres, ils ne font pas les choses selon Dieu. C'est à ce niveau-là que leur appel est réel. Tu vois, il y a des gens qui ont des ministères, ils ont été vraiment appelés à évangéliser, mais ils sont des évangélistes trop bizarres, ils font rentrer des doctrines. C'est là qu'on risque de se détourner vers le du Seigneur. Okay? C'est là, il y a un véritable combat de faux docteurs, de fausses doctrines, de séduction. Une fois que l'appel est connu, c'est dans la partie de la justification, parce que justifier, ça parle aussi de sanctifier, tu vois. Dans la justification, c'est là que tu as toutes sortes de tentations, le péché du sexe, l'amour de l'argent, la gloire, tout ça, pour rater ton étape de justification. OK? Pour rater cette étape-là. Amen? Amen. Ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les trois-là, qui nous intéresse dans les différents passages que nous avons lus tantôt. Quelqu'un donne un bon amen. 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 OK, gloire à Dieu. Amen. Amen. Ce qui nous amène maintenant à revoir les différents passages que nous avons lus tout à l'heure. Amen. Amen. Alors, connu d'avance. Je fais quelques notions sur la connu d'avance. Là, les premiers passages qu'on a lus font référence à la notion de connaître d'avance, ce que j'appelle avant la fondation du monde. Hein? On avait lu 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, il est dit « Et si vous récompensez celui qui juge selon le de chacun, ses acceptations, etc. »
On arrive au verset 20. Il dit prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, il y a des choses que Dieu sait, qui sait en dehors du temps, qui relèvent de la connaissance suprême de Dieu. Ce qui doit t'intéresser au niveau de la de connaissance, de connaître d'avance, c'est de savoir que dans la notion de connaître d'avance là, Dieu a déjà gagné toutes les batailles. Dieu a déjà gagné tous les combats. Amen. Amen. Jésus pouvait dire cette phrase-là. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Amen. 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 Lorsque Jésus va ressusciter un mort, c'est parce qu'il a vu papa ressusciter le mort. Mm. Yes. Donc, quand tu es un prophète intercesseur, en réalité, ce que Dieu a connu d'avance là, c'est là-bas que tu vas chercher tes victoires en fait. Mm. Amen. C'est-à-dire que ce qui est déjà fait, on ne va pas prendre des routes, on ne trace pas nous-mêmes nos routes. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans une guerre. Je rappelle, je suis dans le chapitre connaître d'avance, ok? Amen. On est dans une guerre avec le vide zéro. Les démons ont envoyé le vide zéro. Mais Dieu a déjà solutionné ça. Yes. Dieu l'a déjà solutionné parce qu'il connaissait ça d'avance. Mm. Amen. Amen. Il a vu d'avance, il a déjà trouvé la solution. Amen. Amen. Maintenant, nous là, nous quand nous sommes des intercesseurs, des sentinelles, c'est-à-dire on va là-bas pour savoir mais la solution de Dieu est où elle est, comment, et on prie, on va commencer à prier pour qu'elle soit révélée. Yes. Amen. Pour que les personnes qui sont concernées apparaissent. Amen. Maintenant, l'ennemi, Satan, il sait que Dieu a déjà toutes les attaques qu'il peut prévoir. Satan sait que Dieu a déjà solutionné. Amen. Amen. Oh, parce yes. Il connaît tout d'avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, notre rôle en tant que combattant, c'est d'aller chercher ce que Dieu a fait d'avance. Parce qu'il a tout fait avant la fondation du monde. Donc, le monde n'était pas encore fondé que Dieu avait déjà. Il a vu les problèmes, il a vu les solutions, et il a préparé la solution et il les a positionnés. Et quand il a fini de tout faire, il nous a fait venir maintenant. Et chacun d'entre nous est apparu au bon moment où il devait apparaître pour solutionner la solution qu'il devait solutionner. Yes! Amen. Amen! Wow! Est-ce qu'on est ensemble? Donc, amen! Vous avez le maître de jeu qui est au-dessus. Maintenant, tout notre rôle, c'est de faire comme Jésus. Amen! Amen! Amen. Donc, un problème va persister parce que quelque part, il y a un saint qui n'est pas venu et un saint n'est pas venu. C'est-à-dire, un apporteur de solution n'est pas venu parce que quelqu'un n'est pas peut-être entré dans la route que Dieu avait tracée. Donc, nous, notre rôle, c'est d'aller chercher qu'est-ce que Dieu a. Quelle est la solution qu'il a prévue d'avance? Amen. Yes. Et quand on la trouve, on la manifeste. Amen. On dit que ce que Dieu avait prédestiné avant la fondation du monde, le verset 20, prédestiné avant la fondation du monde, est manifesté à la fin des temps. Donc, manifesté au moment de la. Au moment, manifesté, lorsque le temps est accompli, Dieu manifeste la solution. Amen. La fondation du monde est manifestée à la fin du temps à cause de vous. Donc, il a prédestiné. Donc, vous avez la prédestinée et vous avez la prédestinée avant la fondation, ce qu'on appelle connu d'avance, et vous avez la manifestation. Donc, chacun d'entre nous est manifesté en son temps par rapport aux choses qu'on va réaliser. Mais Dieu nous connaissait tous. Amen. 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 Il t'a regardé et puis dit, bon, ok, j'ai ma fille Sorel, j'ai Kifa, j'ai Mika. Yes. J'ai Patricia Magoni, j'ai tout. Toi, tu vas intervenir dans le film à tel moment. Yes. Amen. Tu vas solutionner tel problème. Et amen. Ce qui est autour va concourir à t'orienter vers cette chose-là. Tes échecs, tes combats. La manière dont Satan va venir te combattre est une façon pour toi de comprendre ce qu'on fait, ce à quoi tu es destiné. Amen. 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 Voilà. Donc, il y a plusieurs qui ont lu des passages sur le chapitre 1 du progrès qui est connu d'avance. Donc, il dit prédestiné avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Après, on a lu Éphésiens chapitre 1, verset 4 qui dit en lui, Éphésiens 1, 4. Tu peux l'afficher, hein, en lui, ou bien qui fait, je ne sais pas qui affiche. En lui, Dieu nous a élus.
avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir qu'il est sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc, alors rappelez-vous, la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Okay? L'élection, c'est lorsque vraiment tu rentres dans la manifestation de ton appel. Amen. La phase de l'élection. Wow. Donc, Dieu même, d'avance, il t'avait déjà élu. Même pas appelé, il t'a déjà élu. Maintenant, amen. Toi, ce que tu fais, une fois que tu entends ton appel, tu vas faire tout pour rentrer dans ton élection. Amen. 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 Rappelez-vous, la Bible dit que c'est à cause des élus que les tribulations sont stoppées. Donc, un chrétien n'est pas efficace au moment de son appel. Il est efficace au moment de son élection. Et ce qui, l'élection là, c'est la justification. C'est-à-dire l'étape numéro 4 qu'on ne traite pas aujourd'hui, qui manifeste l'élection. Amen. Et chacun maintenant, en travaillant dans son élection, rentre dans la glorification. Quand on dit justifier là, ça produit l'élection. Amen. 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 Voilà. Donc en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc Dieu a déjà tout fait avant la fondation du monde. OK? Amen. Alors, est-ce que parce que ça veut dire que tout est écrit? Ça veut pas dire que tout est écrit. Ça veut dire que j'ai déjà été élu, mais je peux rentrer dans mon élection comme je peux rater mon élection. Saül avait été élu, choisi par Dieu, parce que Dieu, sachant qu'à un moment donné, Israël allait demander un roi, a pourvu à la solution par le roi Saül. Maintenant, Saül, on l'a appelé, il a accepté son appel, mais il a raté la justification, contrairement à David. Donc, Saül a été appelé, mais il n'est pas devenu un roi élu. Il est un roi appelé. Il n'a pas été justifié. Dieu l'a trouvé coupable. David a fait des erreurs, mais il a été justifié, il a été glorifié. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça Amen. Va? Oui. C'est pas Amen. Trop lourd? Non. C'est bon. Mais c'est un peu lourd, ça va, non? Ça va. C'est digeste, papa. On peut manger. C'est caché. Oui. C'est os ou bien c'est chair ou bien c'est steak ou c'est quoi? C'est consistant, mais ça passe. La viande est due ou bien la viande est... Elle est moelleuse. Le lait concentré sucré. C'est une viande tendre. OK, gloire à Dieu. Amen. D'accord, donc, voici un peu. Hein? Vous avez donc dans la vie des hommes de Dieu, toute personne qui est appelée à une voie d'élection peut rater l'élection. Tu peux rater l'appel. Tu peux manquer la prédestination. Hein? Amen. Alors, quel que soit quel que soit l'endroit, quel que soit ce que tu as manqué, il y a toujours une voie de sortie pour te ramener sur le chemin. Il y a Amen. Un moment où Dieu a fini avec toi, on ne peut plus rien faire. OK? Dieu peut te ramener sur la voie. Et ma prière est que dans vos combats, si à un moment donné, vous avez sorti d'abord, que vous reveniez et que vous vous focalisez, parce qu'il n'y a pas de bonheur pour un homme. Même quand on parle du mariage, en fait, les hommes de ta vie, les ressources de ta vie, les femmes, la femme de ta vie, les enfants de ta vie, en fait, tout ça sont sur le chemin idéal que Dieu a placé pour toi. Amen. 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 Et par rapport à ta destinée. Or, ta destinée est fonction de ta prédestinée, qui est fonction de ton appel, qui est fonction de ta justification. Okay? Donc, en fait, tout concourt. Amen. Amen. Voilà. On va commencer à voir en quoi ça concourt. En quoi ça concourt. Donc, même quand, par exemple, supposons que tu as fait un faux mariage, Dieu qui est en dehors du temps, connaît d'avance, il savait que tu allais rater ton premier mariage. Il savait ça.
Mais en même temps, il a placé la solution. Amen. Amen. Là, tu aurais pu le réussir. Mais en même temps aussi, en fait, il est au-dessus du temps. Il n'est pas dans le temps. Donc, quand tu fais ton erreur là, il a déjà vécu, il a déjà pourvu. Yes. Amen. Amen. Donc, comme il a déjà pourvu, toi, tout ce que tu as à faire, c'est des événements qui se sont produits, que tu vois en quoi est-ce que ça va te, en quoi est-ce que ça va concourir à te ramener sur le chemin. Yes. En quoi est-ce que ça va te permettre de rattraper les années perdues, les temps perdus, les choses gaffées, les erreurs, tout ça. OK? Donc, le chemin de la prédestination, la justification, ce n'est pas un chemin qui est figé. Amen. Ce n'est pas un chemin qui est figé. C'est une ligne voulue par Dieu où on peut avoir ces formes de... On peut avoir ces ratés, mais c'est comme si Dieu crée un ensemble de circonstances que si tu rates la première sortie, si tu rates l'entrée, voilà ce qu'il a prévu, voilà comment il rattrape. Donc, tout est là. C'est-à-dire que tu n'es même pas né même qu'il a déjà tout fait. Yes. Amen. Quand Jésus meurt à la croix, il dit tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Donc, on dit non, Seigneur, on veut accomplir un nouveau truc. Il dit, je te dis que tout est accompli. Quand Jésus est mort, il n'a pas dit, j'ai accompli un peu, venez faire la suite. Il dit, tout est accompli, c'est fini. Wow. Le film s'arrête là, tout est accompli. On dit, mais Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, vous n'avez plus qu'à manger ce que j'ai déjà préparé. Amen. Amen. Moi, j'ai déjà tout fait. Maintenant, nous allons retrouver le repas qu'il a préparé, on va le manger. Donc, si j'ai raté le repas numéro 1, il dit, j'avais une possibilité que tu rates, donc j'ai prévu le repas numéro 2, numéro 3, etc. OK, donc, tout est calé. Nous, là, notre rôle d'intercesseur, c'est de nous-mêmes de rester là-dessus et de permettre aux gens pour qui on prie de venir entrer dans leur appel, dans leur justification, etc. OK? Amen. 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 Donc, amen. Les premiers passages qu'on a lus étaient relatifs à la notion d'être connu d'avance. Connu d'avance, c'est ce qui est relatif, comme vous avez, nous avons été élus avant la fondation du monde, toutes ces choses-là qui parlent de la fondation du monde. OK? Ce sont des choses qui... par exemple, supposons que quelqu'un finisse et puis il va en enfer. Bon, là, j'ai la citation. Ah. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. OK. Alors, donc après cet élément-là, je vais nous amener maintenant pour voir de manière pratique qu'est-ce qui se passe, le combat. Là, je suis maintenant dans maintenant chapitre numéro 2, la prédestinée, que j'avais commencé la dernière fois. Alors, la prédestinée, ce n'est pas encore la destination. La destination, c'est ton appel, c'est ce que tu dois réaliser. La destination, c'est ce que tu dois réaliser. C'est ce qu'on appelle la destinée. Une destinée n'est pas un chemin, c'est un point d'arrivée. Si je dis, je m'en vais à Paris, Paris devient ma destination. Et je dirais que, au moment où j'arrive à Paris, je veux dire que je suis arrivé. Amen. Alors, donc, la destinée en tant que telle, il est très difficile de la saisir. Parce que Dieu seul sait exactement ce à quoi il nous a... Quelle est notre destination? Où on va arriver? Amen. Amen. Par contre, le mot destinée aussi parle de la trajectoire que tu vas emprunter pour aller vers cette destination. Amen. De la trajectoire que tu vas emprunter pour aller vers cette destination. Amen. Alors, amen. L'élément appelé la prédestinée, ce sont les prédispositions, les choses qui précèdent le couloir que tu dois prendre, qui précède la carrière que tu dois courir jusqu'à la destination. Amen. C'est ce qu'on appelle la prédestinée. Donc, ceux qui l'ont connu d'avance, il les a prédestinés. Donc, chacun d'entre vous qui me suivez ici, vous avez été prédestiné. Donc, généralement, quand vous voulez chercher votre destinée, votre destination, quand vous voulez courir après votre destination, il faut traiter avec votre prédestination, ce qui précède votre destination. Si la prédestination et Satan, votre première guerre spirituelle, le premier combat, Satan va chercher
des gens en qui la prédestination est visible. Dès l'instant où il perçoit la prédestination, il envoie des types de démons qui viennent pour t'éloigner, parce que la prédestination préfigure la destination. Mm-hmm. Donc, il va envoyer des attaques pour t'éloigner éventuellement de tout ce qui peut ressembler à ta destination. Donc, avec ces prédispositions, l'ennemi va t'attaquer pour que tu t'éloignes de ta destination et que tu prennes d'autres chemins loin de ce que Dieu semble avoir prévu pour toi. Satan ne connaît pas ta destination, il va simplement essayer de reconnaître les prédestinations. Et une fois qu'il perçoit une prédestination, les esprits de combat, donc j'appelle ça le combat des sentinelles, c'est là que commencent généralement tes premiers combats. Il va envoyer des esprits, des démons pour attaquer juste à partir de la prédestination. D'où, à cette période-là, certains ne se rendent pas compte des batailles qu'ils ont étant enfants, étant jeunes, étant adolescents, qui viennent dans le but de les éloigner. Alors, très souvent, les combats de prédestinés sont des combats qui ont lieu même avant votre conversion. Mm-hmm. Les combats de prédestinés sont des combats qui peuvent avoir même avant votre conversion. Parce que même la conversion, déjà, c'est parce que l'appel, quand je vais rentrer dans le chapitre de l'appel, vous allez voir que l'appel est en plusieurs. On avait lu l'histoire de Samuel. Dieu l'a appelé plusieurs fois. OK? Tu as l'appel de ta conversion qui te dit viens à Christ. C'est un appel. C'est un chapitre. Amen. Amen. Il y a Amen. L'appel au ministère. Il y a l'appel, il y a des appels. Fais comme ceci, fais comme cela. Et puis, il y a l'appel du ministère. Amen. Amen. Voilà. Donc, il y a un combat à ce niveau. Mais bon, je ne le traiterai pas aujourd'hui. Je vais rester sur la prédestination. Amen. 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 Bon. OK, donc, c'est là que l'histoire de Moïse nous intéresse. Alors, on a lu dans l'histoire que Dieu rencontre Moïse. Et Dieu, au moment de le rencontrer, va lui dire ceci. Il va lui dire au verset 5 de Exode 3. Dieu dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Verset 4, lâche au verset 4. L'Éternel vit se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Amen. 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 Donc, il faut bien noter, il s'est détenu pour voir. Alors, cette curiosité qui était en Moïse, ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe autour de lui, fait partie de ces prédispositions importantes. Que ça, Moïse n'a pas perdu ça. Mmh. Pourquoi il n'a pas perdu? Il faut comparer parallèlement à Exode 2, où il est dit au verset 11, en ce temps-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères. Il fut témoin. Donc, Moïse observait. Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Il regarda. Voilà. Donc, Moïse est quelqu'un qui avait les yeux ouverts sur ce qui se passait autour de lui. Il n'était Amen. Pas indifférent. Amen. 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 Donc, Il faut noter, je suis dans la prédestinée, chapitre prédestiné. Dans la prédestinée, il y a ce que tu vois. Il y a ce que tu vois. Les souffrances que tu perçois, les anormalités que tu perçois. Moïse n'a pas été attaqué à ce niveau, on verra plus tard que d'autres ont été attaqués à ce niveau, au niveau de ce qu'ils voient. On va attaquer leur vision. Moïse n'a pas combattu au niveau de ce qu'il voyait. La preuve, c'est que lorsque Dieu le visite, il voit qu'il y a quelque chose qui est anormal, un buisson qui est en train de prendre feu sans être consumé. Mm. Donc, Moïse était quelqu'un qui n'était pas indifférent. Ça, c'est un des premiers combats
que doit mener une sentinelle. C'est la vision. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce Amen. Que Alors, il y a des moments, Satan arrive à rendre les personnes aveugles. C'est-à-dire, elles ne voient pas ou à corrompre leur vision. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, comment on corrompt la vision? Et la vision corrompue n'apparaît pas dans le cas de Moïse. Moïse n'a pas eu de problème de corruption de vision. Amen. Amen. Mais la manière dont il voyait le monde, c'est important. Voilà. Parce que n'oublie pas, comme je dis tantôt, nous sommes des sentinelles et la sentinelle, elle regarde de loin. Donc, si Satan arrive, lorsqu'il découvre qu'il a l'impression que tu vas intercéder, tu vas être un leader, tu vas diriger, il sent ça venir, il peut tuer la façon dont tu regardes le monde et faire en sorte que tu aies une mauvaise manière de percevoir. Donc, si je donne un exemple. Si, par exemple, tu arrives dans le monde, tu dis, mais dans le monde-là, bon, quand je dis que Satan n'a pas fait, en fait, il a tenté de le faire, mais il y a quelque chose qui est resté dans Moïse. On va voir c'est quoi. Amen. Par exemple, il y a des chrétiens aujourd'hui, Satan t'a tellement corrompu dans ta prédestinée que tu ne crois plus du tout en l'homme. Tu ne crois plus, c'est-à-dire que là maintenant tu vois le monde, là, tu ne vois que tous les gens sont faux, que tous les gens ne sont que ne sont qu'intéressés, qui sont égoïstes. Donc en fait, tu as une vue du monde corrompue. Et tu vois, bon, j'écoutais un témoignage là, j'en parlais à ceux qui ont, à, je crois, je ne sais plus à qui j'en parlais, je pense que c'était à, aujourd'hui j'ai fait la, j'ai salué un peu les partenaires de Club de Vie, donc je dois en parler. J'ai dit, j'écoutais une histoire où un monsieur, une femme, pardon, une dame, qui, chaque fois en regardant par sa fenêtre, disait à son mari, la voisine, elle ne sait pas laver les habits. Ses habits sont toujours sales. Et puis elle vient, elle les pend là. Donc, il y avait une voisine de leur maison, ils voyaient le balcon d'une voisine où la voisine venait sécher des vêtements. Et la femme, elle regardait par sa fenêtre et elle dit, mais la voisine, elle a lavé, mes habits sont encore sales. Les habits sont sales. Et puis elle vient les mettre à sécher. Les habits sont sales. Les habits sont sales, elle vient les mettre à sécher. Et chaque fois, vraiment, elle se plaint de la voisine. Elle dit, mais il faut bien que quelqu'un aille lui dire que lui apprendre à laver les habits. Elle ne sait pas laver les habits. On doit lui apprendre à laver les habits. Maintenant, quelques jours après, un jour, elle se réveille, elle voit que les habits sont propres. Et elle dit à son mari, ah, viens voir, quelqu'un a dû parler au mari, là. Quelqu'un a dû parler à la dame, pardon. Maintenant, elle a bien les habits. Aujourd'hui, vraiment, les habits sont tout propres. Et son mari de lui répond, non, ma chérie, j'ai nettoyé la vitre. Voilà, j'ai nettoyé la vitre. Dit que la dame, ses habits étaient toujours propres. Mais comme elle regardait les habits de la voisine au travers d'une vitre sale, elle voyait que les habits étaient toujours sales. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on appelle corrompre la vision. Satan peut ternir ta vision de sorte que tu ne vois que les défauts du monde, les problèmes du monde. Et tu ne vois plus voir le monde avec la compassion. Un intercesseur, c'est un homme de compassion. Amen. Amen. Toute destinée est basée sur l'amour. Toute notre destinée est basée, tout est fondé. La Bible dit que toutes les lois et les prophètes viennent là-dessus. Donc, Satan le combat très vite. Il va essayer de corrompre et de salir ta vitre pour que tu ne vois que le monde sous certaines colorations. Donc ça, c'était des combats de prédestination. Quand Moïse, l'Éternel dit, verset 5 de Exode 3, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc, lorsque Dieu visite Moïse, amen. Il va l'appeler, enlève le sur ton pied, ça c'est, je veux dire, c'est le moment de la conversion. Ça veut dire, change tes mobiles, maintenant, je vais changer ton cœur,
Enlève tes chaussures. Les chaussures, ça représente ce pourquoi tu as du zèle. Le zèle, porter à vos pieds les chaussures de l'évangile. Dieu est en train de dire que les chaussures sont sales. Voilà, enlève tes sales chaussures, enlève ce pourquoi tu te bats en ce moment-là, et puis viens me rencontrer. Donc, ça, donc Dieu va transformer son zèle. Dieu va purifier le zèle qu'il a. Il va dire, enlève tes chaussures, en quelque sorte, je vais t'appeler différemment. OK, donc ça, c'est la partie du combat de la prédestination. Deuxième combat, les pieds. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Donc là, vraiment, ça c'est votre appel. Ici, c'est l'appel de Moïse. Mais ça, c'est vraiment l'appel de votre conversion, l'appel de ce Dieu qui vient, Dieu qui vient, qui te dit, avant là, tu courais pour t'enrichir, avant tu courais après ceci, avant, maintenant tu vas courir après moi. J'enlève les chaussures de ton zèle, tu vas courir après moi. Je suis ton Dieu, je suis ton sauveur, je suis ton Seigneur. Donc là, c'est là où je se révèle à vous. Ça parle de la conversion. Amen. Amen. Cet épisode-là fait ressortir la notion de l'appel. C'est ici Moïse est appelé. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu où habitent les Cananéens, les Hittiens, etc. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Amen. Donc, Amen. Dieu va dire donc à Moïse, le peuple souffre, etc. Alors, la souffrance, là, Moïse aussi l'avait vu. Moïse aussi avait perçu la souffrance. Il n'était pas indifférent. Mais ce qui va se passer avant va faire en sorte qu'il va oublier de chercher à délivrer même Israël. OK? Donc, Dieu va Amen. Restaurer son fardeau. Amen. Dieu va restaurer le vrai fardeau de Moïse. Il faut pas oublier que entre Exode 2 et Exode 3, il y a 40 années. Donc, pendant 40 ans, Moïse va laisser de côté son histoire des Israélites à délivrer. Là. Il va penser à autre chose. Voilà. Maintenant, là, il était plus en train de s'occuper des brebis. Comment... Donc, lui, ici, Dieu le rencontre. C'est comment faire en sorte que les brebis pèsent mieux, que les brebis aient plus de lait. Voilà, il est dans d'autres, il est dans un autre, il est dans un autre jeu, il est dans un autre système. Et Dieu va restaurer quelque chose que Satan avait détruit, son amour pour les peuples, le peuple d'Israël. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple vous servira. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai... Attends. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras. Bon, je saute ça et j'arrive... Bon, il y a une partie qu'on aurait dû lire, mais bon, à cause du temps. Et puis après, on arrive à Exode 4. Dieu va lui donner des signes importants. Il va lui jeter le bâton, il va se transformer en serpent. Il va lui dire, mets ta main sur ton sein. Il va mettre la main sur le sein. Puis il le retira et voici sa main était couverte de lèpre blanche. L'Éternel dit, remets ta main sur ton sein, remis la main sur le sein, puis il se retira de son sein. Voilà. Donc, ici, il va lui donner deux signes importants. La verge qui va devenir un serpent. Et puis la main sur le sein. Donc, la main sur le sein, ça parle du cœur. OK. Il va avoir la lèpre. Donc, Dieu va guérir le cœur de Moïse. Amen. 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 Comme si la lèpre s'était emparée. Et la lèpre, sa main était. Quand il a mis la main sur le cœur, ce que ça a produit, c'était de la lèpre. C'est-à-dire, son cœur est comme pourri, quoi. Son cœur est pourri. Et quand il va mettre, il va dire, je restaure. Amen. Va réhabiliter maintenant la main. Donc, tout ça, ce sont des symboles que nous décortiquons rapidement au niveau de la notion d'appel. Amen. Amen. Alors, c'est quoi le combat de la prédestinée? Ce que Dieu va restaurer dans Moïse, en Exode 3 et 4, c'est ce que Moïse a perdu. Donc, Satan, c'est ce que Satan va attaquer. Satan, d'abord, va se rendre compte que
Moïse, au début, Moïse ne l'intéressait pas particulièrement. Il s'est dit peut-être, en fait, peut-être qu'il n'a même pas remarqué, il y a un jeune Israélite qui a grandi dans la maison de Pharaon. Ça, se disait rien, ça ne disait rien du tout à Satan. OK? Mm-hmm. Bon. Il s'est échappé des enfants qui avaient été massacrés à sa période. Ce n'est pas grave, voilà. Tous les rescapés vont pas, forcément, ne sont pas déjà importants. Jusqu'à ce que Moïse constate qu'il n'est pas indifférent à la souffrance des Israélites et que la maltraitance qu'il subit a de la valeur pour lui. Alors là, Satan va l'attaquer en faisant en sorte que ce soit un Israélite même qui le trahisse, qui aille le vendre chez Pharaon, et Pharaon va décider de le tuer. Donc, le frère qu'il était censé aider, délivrer, les frères vont le trahir. Et Moïse ne va pas être défendu par les Israélites. Il est venu pour les aider, mais c'est une personne qui l'avait, mais c'est un peu comme si l'ensemble l'avait trahi. Pourtant, il était en train de se battre pour les aider. Au lieu de prendre le côté pour dire, mon frère Moïse, vraiment, on voit que toi, tu es haut placé, tu as grandi dans le palais, le pharaon, c'est ton ami, c'est ton frère d'éducation. Voilà, Moïse, bon. Mais c'est plutôt de la trahison qu'il a reçue. Alors, ce que je te dis, c'est que tes douleurs, les combats, les trahisons, les blessures que tu connais avant ton appel sont des choses qui concourent au bien pour te dire que si Satan te combat dans tel domaine, c'est que Dieu va t'utiliser. C'est ce qu'on appelle la prédisposition. C'est possible qu'il ait vu quelque chose. Je suis en train de vouloir te dire que si, par exemple, tout ce qui est famille, tu as beaucoup de souffrances, il est fort probable que dans ta destinée, il y ait quelque chose qui soit très familial, qui soit lié à la famille. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Le combat de ta prédestination, c'est quoi la prédestination? Moïse avait un cœur prédisposé pour aider ses frères. Mm-hmm. Et l'ennemi va venir attaquer ça. De sorte qu'il va oublier les Israélites pour dire, vous là, je n'ai plus affaire à vous. Mm-hmm. Je n'ai plus affaire à vous. Je m'en vais m'occuper des brebis de Jétro, je me mets ailleurs. Et il est passé à autre chose. Mais quand Dieu vient, c'est ce qui ressort. Donc, le fardeau de Moïse déjà, cette prédisposition à ne pas être indifférent à la souffrance, cette indisposition-là, cette prédisposition, pardon, révélait que il semble que Dieu allait l'appeler, Dieu voulait l'appeler pour aider le peuple. Amen. Amen. Dieu a choisi Joseph pour délivrer ses frères de la famine et sa famille. Quand Satan va sentir cette prédisposition, il va prendre ses propres frères pour tenter de le tuer. De sorte que d'amener Joseph à oublier ses parents, sa famille. Regardez, même quand Joseph avait la possibilité, parce qu'il était premier ministre d'Égypte, ses frères sont arrivés pendant la période de la famine. C'est-à-dire qu'il y a eu les 7 ans de vache grasse. Il était premier ministre. Et puis on est revenu dans les 7 ans de vache maigre. Et il a fallu que la sécheresse assèche les ressources de Jacob et de ses enfants pour qu'ils viennent en Égypte. Donc il s'était écoulé au moins 8 ans. Joseph n'a même pas voulu repartir voir ses parents. Wow. Il aurait pu repartir, mais ça veut dire que il a quitté sa famille. C'est-à-dire, si ses frères n'étaient pas venus, Joseph ne serait jamais reparti. Non. Il ne serait jamais reparti. Il était passé à autre chose. Il était passé à autre chose. Donc, Satan ayant vu par les songes qu'il a reçus, Satan ayant vu, quand il a vu, il dit, tu as vu quoi? Joseph raconte, il dit, non, j'ai vu la verge, la nourriture de, comment dirais-je, les grappes, les gerbes de mes frères étant en train de se procéder. Mais ça dit quoi? Que tu seras le roi, que tu vas aider ta famille. Il dit, bon, OK. Donc, il a pris ses frères pour dire, bon, les gens que tu veux aider, là-dedans, ils vont te trahir. Tu vas faire ça à eux encore. Amen. Et Joseph est parti. Quand Joseph est parti, Joseph a eu sa liberté. Joseph est devenu premier ministre. Mais il s'est plus occupé de sa famille. Oh. Il s'est plus occupé de sa famille. Satan avait attaqué
ses prédispositions. Mmh. Donc, la prédisposition, c'est l'état de ta prédestinée. C'est-à-dire que quand c'est ce qui apparaît avant qu'on t'appelle. Il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Donc, quand on te prédestine, ta prédestinée est basée avec des prédispositions. Avec des Amen. Donc, Amen. Tu aimes tes frères, tu aimes tes parents, tu penses toujours à leur faire du bien. Et celui-là, André, sera leur sauveur. Hein. Il sera leur sauveur. C'est là qu'il va prendre maintenant les sorciers dans ta famille pour venir te poursuivre, pour venir te créer des problèmes. Pour ça que tu te dis, moi, là, le jour où je m'en sors, je vais vivre en Europe, je vais laisser cette famille de méchants, je vais aller m'asseoir, je vais m'asseoir au Canada, je n'ai plus affaire à eux. Tu as affaire à eux. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de me suivre qui ont fui. Parce que Satan les a attaqués au niveau de leur prédisposition. Donc, pendant qu'ils sont en train de prier pour savoir, oh Dieu, que me veux-tu? Où veux-tu que j'aille? Dieu veut t'appeler en te disant, tu vas aider tes frères. Amen. Et là, tu sauras comment tu vas les aider. Mais quand déjà le peu que tu dois faire a été combattu, c'est là que tu as été trahi, abandonné, tu as connu la méchanceté, ça t'éloigne en fait. Ça t'éloigne de tout ça. Et tu commences à chercher ta destinée ailleurs. Or, pendant que tu cherches ta destinée ailleurs, tu lis d'autres combats, mais ce n'est pas tes combats. Parce qu'on t'a donné d'autres. Donc, Joseph, lui, maintenant, il se prenait pour un Égyptien. Hein? Non, il se prenait pour un Égyptien. Il s'occupait des problèmes d'Égypte. Ses parents ont faim. Ce n'est pas son problème. Il savait très bien que la famille allait frapper la terre entière. Mais il ne s'est plus occupé, lui, l'Égyptien. Il est Égyptien. Jusqu'à ce que ses frères arrivent. Et je crois que Dieu a dû lui rappeler. Dieu lui a rappelé son rêve. Il dit, mon petit, j'ai t'amené ici là pour aider ta famille. Et c'est ce qu'il a dit à ses frères. Il dit, ne vous fâchez pas de m'avoir vendu pour être esclave. Car c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé ici. Amen. Amen. Ses frères ne l'avaient pas reconnu. Il aurait pu les regarder, leur donner la nourriture, et puis ils allaient partir chez eux. Mais la chose est revenue dans son esprit. Amen. Amen. Dieu va faire comme il l'a fait pour Moïse. Il va restaurer ses prédispositions. Il va restaurer son fardeau. Et Joseph ne va pas résister. Joseph va laisser son cœur dire à papa. Ces gens-là, c'est vers eux que tu m'envoies. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais Moïse aussi voyait qu'il le peuple souffrait. Moïse aussi avait tenté d'aider le peuple. Mais regardez comment on l'avait récompensé. Il y a un qui vient qui l'a vendu à Pharaon. Au point où Pharaon a décidé de le tuer. Et les autres n'ont même pas levé le petit doigt. Donc quand il a fui, il était vraiment parti. Il était en train de réécrire sa vie autrement. Et cet épisode de la vie de Moïse, Dieu le ferme parce que ce n'est pas son appel. Dieu n'a pas appelé à être berger dans la montagne. Dieu n'a pas appelé à faire ça. Dieu l'a appelé, Dieu l'avait choisi pour qu'il soit le berger d'Israël, pour qu'il amène Israël de l'Égypte, pour qu'il travaille à leur délivrance. Amen. Mais avant son appel, il avait déjà des prédispositions. Et le combat, c'est quoi le combat des sentinelles? C'est le premier grand combat que tu livres, c'est la façon dont Satan vient attaquer tes prédispositions. Jésus nous a dit que les combats, les injustices, les méchancetés que tu as subies sont un indicateur de ce pourquoi tu dois te battre dans la vie. Amen. Amen. Voilà, ne présume pas ton appel. Quand l'appel va venir, l'appel aura sa particularité. Parce qu'au moment où Dieu t'appelle, Dieu t'équipe avec la justification. Donc, tu dois attendre son appel. Mais d'ici là, en fait, Satan va tout faire en sorte que tu ne sois même pas prédisposé même à écouter Dieu. Tu vois? Tu ne sois pas du tout prédisposé à écouter Dieu. Alors, ici, c'est sur le plan sentimental. Ça peut être sur le plan professionnel. Il va tellement mettre une blessure dans ta vie concernant une activité donnée,
etc. Donc, il va attaquer. Donc, généralement, les souffrances d'avant votre conversion, parce que quand on rentre dans la conversion, on est dans le début de l'appel. On est dans la partie de l'appel où je ne sais pas trop qui me parle, parce que Dieu me dit, mon fils, je t'appelle, tourne-toi vers Jésus. OK. Mais quand Dieu t'appelle vers Jésus, il t'appelle avec un plan. Mais étant donné que ton cœur n'est pas prêt, tu n'entends pas le plan. Tu entends juste, tourne-toi vers Jésus, Jésus est venu te sauver, il est mort à la croix pour tes péchés, voilà. OK, c'est tout ce que tu entends. Plus tard, il va te dire, en fait, je t'ai amené là parce que tu vas aider. Tu vas aider la Guyane. J'ai vu mon peuple de Guyane qui souffrait, j'ai vu telle maladie, les gens qui souffrent de la folie, j'ai vu les gens qui souffrent de par exemple, quelqu'un tu voulais, il peut avoir un enchaînement de dépressif dans ta maison. Ce sont des petits symptômes. Bref. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne moi un amen. 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 Alors, on va faire un peu au hasard. C'est comme les 10 conseils que je vous donne pour terminer pour aujourd'hui. C'est de prendre le temps et puis écrivez vos combats d'enfance. Écrivez vos combats d'enfance avant de rencontrer Jésus. Qu'est-ce que vous avez subi qui vous a marqué dans votre vie passée? Qu'est-ce que vous avez subi? Tu vois, ceux qui ont été abusés. Tu marques l'abus. Je n'ai pas besoin de connaître le détail. Hein. Tu marques toi-même. OK? Et puis, je vais demander à Pastor Pelka. Je vais juste retenir quelques-uns pour vendredi prochain. Et puis, on va aller, tu vois. Et à partir de là, tu vas ouvrir ton cœur parce que peut-être que Dieu t'appelle, mais tu n'entends pas. Tu vois, tu n'entends pas parce que ton cœur est bloqué concernant certaines choses. Il y a une barrière qui est là, quoi. Tu vois, tu es sourd totalement là. Tu ne peux même pas entendre sa voix. Il te dit, mais c'est bloqué. Alors, peu importe le combat. Les combats, j'ai subi beaucoup de divorce de mes parents, la séparation de mes parents, combat dans ma vie. Si ta vie aussi, tout s'est bien passé, gloire à Dieu. Hein. Moi, en tout cas, j'ai eu une enfance. Donc, quand je parle d'enfance, c'est la période qui précède jusqu'au moment où tu rencontres le Christ. Tu vois, c'est là que. Donc, si tu rencontres Jésus à 30 ans, on va parler de ta prédisposition, ta prédestination. Jusqu'à cette période-là, OK? Ce n'est pas forcément quand tu es enfant. C'est ce qui s'est passé, les guerres que tu as connues dans la période jusqu'à ta conversion. OK? Donc, si tu n'as pas connu de bataille en particulier parce que tes parents, tout allait bien, ça va, tu montes RAS ou bien tu pries Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà. Moi, je suis en train de parler des combats. Mon message, c'est le combat. Mais il y a des personnes dont l'ennemi n'a pas du tout perçu la prédestination. Donc, comme il n'a pas perçu, il ne sait pas avec quoi t'attaquer. C'est une manière d'être gardé. C'est-à-dire que si, par exemple, tes parents sont chrétiens, ils ont prié pour toi, et ils ont frappé le diable d'aveuglement, tu vois, donc il va pas voir. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas un appel. Mais pour le moment, là, je parle des prédestinés qui ont vécu des combats, qui ont dû gérer émotionnellement, psychologiquement des combats. Donc, je crois que chacun d'entre nous a des combats. Ça peut être peut-être les combats même de tes études. Tu vois? Tu n'as pas peut-être de bataille émotionnelle, mais tu as eu des combats pour aller en classe supérieure, pour évoluer. Hier à la prière, avant-hier à la prière, le jeudi, on a reçu le fils du révérend Steve Mensa, celui qui a été guéri du retard mental. OK? Et je lui disais avant qu'il nous monte sur la liste, je lui disais la façon dont l'ennemi t'a attaqué dicte tes prédispositions et ta prédestination. Voilà. C'est vrai que plus tard, papa a déclaré que tu seras pilote. Tu es pilote. Mais en tant que pilote, il y a quelque chose à faire. Dieu ne nous a pas appelés simplement à conduire des avions, ce qui est une bonne chose. Mais tout notre appel, c'est pour sauver des vies. Donc, dans tes combats, je l'ai dit par exemple, il est fort probable que Dieu
qu'aujourd'hui tu as une onction particulière quand Dieu t'a sauvé. Il t'a donné une onction pour prier pour les familles et les parents qui ont des enfants en retard. Et tu as une onction qui est venue en toi et tu peux passer par toi pour les guérir. Tu vois? Donc, bref. Alors, je vois déjà plusieurs qui sont en train de mentionner. Prends les suites des feuilles, tu écris pour toi-même. Hein? Tu écris pour toi-même. Moi, je prendrai quelques-uns que vous aurez mis sur la liste que vous allez envoyer à l'équipe de la permanence, à passer plus qu'à, et puis qu'on va sélectionner. Et je vais venir devant, je vais lire quelques-uns. OK, je vais dire, bon, on a la sœur Y, je ne vais pas donner les noms forcément. Voilà ce qu'elle a vécu, voilà. Par exemple, si quelqu'un a été abusé, si quelqu'un a été abusé, par exemple, violé, OK, ça peut, la prédisposition ne donne pas la destination. La prédisposition te dit, voilà. Par exemple, si tu manifestes beaucoup d'amour et que tu es ouvert vers les gens, tu es ouvert avec les personnes, tu es quelqu'un d'ouvert, que Satan vient et puis pendant que tu t'es ouvert, quelqu'un a abusé de toi, il t'a violé, ou il a pris ton argent, ou il t'a escroqué. Ce que ça peut créer, c'est que ça peut te rendre renfermé. Tu vois? Donc, dès l'instant où tu es renfermé, tu n'as plus d'ouverture. Tu n'as plus d'ouverture envers les gens. Tu n'as plus envie d'aider. Tu n'as plus envie de t'ouvrir. Donc, ça te rend renfermé. Mais quelqu'un qui est renfermé, comment il peut aider les autres? Quelqu'un qui est dans son coin, qui est isolé, comment est-ce qu'il peut rentrer dans sa destinée? Tu vois? Donc, ton côté ouverture a été attaqué pour justement faire en sorte que tu ne sois pas quelqu'un d'ouvert. Donc, la prédestination ne donne pas la destination. Ça dit simplement qu'il y a quelque chose qui a été refermé, qui doit être ouvert pour que tu comprennes qui tu es et où tu vas. Amen. Okay? Pour que tu comprennes qui tu es et ce que ton combat. Donc, j'ai vu quelqu'un qui a écrit, j'ai eu beaucoup d'échecs au niveau universitaire. Ça ne donne pas encore ta destination. Mais l'échec au niveau universitaire peut avoir créé, par exemple, une perte de confiance en toi. Tu vois? Et ce doute-là, une perte de confiance va faire que tu seras fragile émotionnellement. Tu vas prendre difficilement tes décisions. Ça peut te rendre donc perte de confiance. Tu vois, ça peut totalement perdre la confiance. Donc, quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui ou en elle, quel que soit l'appel, elle n'a jamais su. Et ça, vous retrouvez ça dans Moïse. Vous retrouvez ça dans Moïse. Il dit, Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je? Ça dit que Satan a fait qu'il a perdu confiance en lui-même. Il dit, moi, je suis toi-même. Ils ont pu m'appeler. Donc, il y a des personnes, Dieu les appelle, ma fille, je vais t'utiliser, tu vas prêcher l'évangile dans tel endroit, tu vas sauver le monde. C'est-à-dire que lui-même, quand il se regarde, il voit sa ville. Il ne voit pas en quoi est-ce que. Donc, c'est comme s'il entendait un slogan, quoi. Et puis, il passe à autre chose. Parce qu'il a été traumatisé. Il a été traumatisé par des échecs. Moi, comme la personne qui a échoué dans les études, j'ai beaucoup échoué. Donc, jusqu'à. Il n'y a pas longtemps, même jusqu'à présent, même encore en moi, il y a des choses, je vois que j'ai un profond manque d'assurance. Donc, c'est vraiment un travail du Saint-Esprit. Pour me donner l'assurance pour aller mener. Amen. Je manque d'assurance, je manque d'assurance pour donner des directions. Tu vois? Mais quand tu es quelqu'un qui va être un leader important, qui doit diriger les personnes, toi-même, tu n'as même pas confiance, tu ne sais même plus, tu n'as même pas confiance dans ce que tu dis. Parce que tu te dis, mais avant, dans le passé, là, je dis, c'est le contraire qui est arrivé, je donnais des conseils, je me sens disqualifié. Tu vois? Je me sens disqualifié, inapte pour être quelqu'un qui oriente d'autres personnes. Donc, du coup, ça affaiblit profondément ton leadership et ta possibilité de diriger des personnes. Donc, voilà. Deux attaques peuvent venir, mais ça peut être deux ou trois chemins totalement différents. Hein. Les mêmes personnes, deux personnes peuvent suivre les mêmes attaques, mais pour des destinées totalement différentes. Donc, l'attaque ne montre pas la destinée. L'attaque montre la prédestinée. Amen. Et la prédestinée permet de comprendre l'appel. Amen. Je reprends la phrase. Les attaques subies ne te révèlent pas ta destinée, mais ça te révèle ta prédestinée. Si tu sens pourquoi Satan t'a attaqué,
tu sais en fait quel sentiment, quelle émotion, quelle attitude qu'il a vu dans ta vie avant l'attaque et qu'il a voulu attaquer. Voilà. Si j'étais quelqu'un qui a de l'audace, tu as quelqu'un qui a de l'audace, il peut te donner beaucoup d'échecs, de sorte que tu n'oses plus prendre des initiatives. Donc, si tu as ta capacité d'initiative, c'est un peu comme Timothée, hein? Même si Dieu vient et te donne un don, mais tu es tellement timide que tu n'as pas l'utilisé, quoi. Tu vois? Même si Dieu vient te donner un don. Donc, on dit à Timothée, les anciens, tout le monde a pris pour toi. On dit, tu as tel don, mais il ne l'utilisait pas. Il était paralysé par une timidité. Et Paul déclare, Dieu nous a donné l'esprit de force. Hein? Il dit, tiens-toi ferme, aide de l'assurance. Parce qu'il manquait. Timothée avait beaucoup d'onction. Mais au vu de ce que nous lisons, on sentait qu'il était tétanisé. Il avait une peur, une timidité. Okay. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai failli tuer à 6 ans, j'ai failli tuer, tu vois, par exemple. Okay. J'ai été rejeté par ma famille. Tu vois, tout ça, c'est bon, marqué ça. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est rejeté par sa famille, ça, c'est pour que tu t'éloignes de ta famille. Tu vois, c'est pour que tu t'éloignes de ta famille. Mais pourquoi? Voilà. Donc, toutes ces choses-là, quand Dieu va vous appeler, vous allez mieux comprendre. OK, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on est béni par l'enseignement? Amen. 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 OK, gloire à Jésus. Amen. Alors, vraiment, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prier le Seigneur. On va dire, Père, tu sais toutes choses. Tu sais pourquoi l'ennemi m'a combattu. Tu sais les choses. Seigneur Jésus, je me dispose à ton appel. Je me dispose à ton appel. Guéris mon âme. Aide-moi. Oriente-moi là, dans la suite du message. Je dis, Seigneur, on n'a pas besoin de courir. On doit le faire à fond. Et Dieu, comme il a fait pour Moïse, lorsqu'il a visité Moïse, il a restauré ce que Satan avait ôté. Il a mis la main sur le cœur, enlève. Il a enlevé, en quelque sorte, la lèpre qui avait tué le cœur de compassion, de désir d'aider que Moïse avait. Donc, il a mis. En lui demandant d'attraper la queue du serpent, il a ôté la peur que Moïse avait du Pharaon. Parce que Pharaon avait créé en Moïse la peur d'agir. Le fait que Pharaon ait tenté de le tuer, ça a traumatisé Moïse. Donc Dieu va traiter avec ça. Dans son appel, Dieu l'a appelé, mais il va traiter avec la peur. Il va traiter avec son état de cœur. Lorsqu'il va lui donner la vision, il va restaurer quelque part un peu la vision. Il va traiter avec ces différents aspects-là pour que Moïse comprenne son appel. Pour que Moïse comprenne et saisisse son appel. Amen. Voilà. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie durant cette semaine. Alléluia. Amen. Il va traiter avec les effets de combat de ta prédestination. Donc, c'est-à-dire que Satan a combattu, les démons ont combattu quelque chose et ça crée en toi certaines réactions qui te rend indifférent ou qui t'empêche de comprendre au moment de l'appel. Donc, quand l'appel arrive, tu n'entends pas. Voilà. Parce que tu es rempli d'une pensée, il faut que tu quittes cette famille. Donc, quand l'appel arrive, va dans ton village construit ou bien aide tes parents, tu n'arrives pas encore. Ok. On va prier le Seigneur Jésus par rapport à cela. Bruit Katali Mambrous et Katali Babragasso. Tu vas mettre une main sur le cœur comme Moïse. Au nom de Jésus-Christ. Père, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais nos cœurs et nos pensées, toi qui sais et qui connais les combats auxquels nous avons dû faire face dans notre enfance, dans la période avant notre conversion, toi qui les connais mieux que quiconque. Ô Dieu des cieux, Dieu vivant, Père, je prie au Saint-Esprit consolateur que tu viennes restaurer nos âmes, que tu viennes renouveler nos âmes, afin que nous soyons animés des pensées qui étaient en toi, qui étaient en nous à l'origine, celles que tu nous as données avant que nous entrions dans ce monde. Père, je prie pour chaque homme et chaque femme connectée qui est en train de suivre cette information. Ô Dieu des cieux, viens à notre secours, viens étendre ta main de grâce dans nos vies. Père,
Viens étendre ta main de grâce dans nos vies. Viens étendre ta main de grâce. Viens restaurer nos cœurs. Viens restaurer nos pensées. Viens restaurer nos amis, nos émotions. Père, je prie pour tous ceux qui ont combattu, qui ont été combattus et qui ne savent pas pourquoi ils ont été combattus. Manifeste ta grâce. Glorifie ton nom. Bekatari Babrous. Prenda brada soro barala glorianda brada sereba katayanda lababo. Prenda brada soro barala glorianda bra. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare la restauration de ton cœur dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare la guérison de ton âme. Que Amen. Tous les combats que tu as connus en tant que sentinelle au moment de ta prédestination, que ces combats-là, que tu aies la victoire. Amen. Amen. Des armes pour triompher des effets que le diable a semés en toi. Amen. Oh, Dieu, guéris nos cœurs pour que nous puissions comprendre et saisir ton appel. Merci, Saint-Esprit. Je sais que tu entends ma prière. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, chers étudiants, chers élèves, n'oubliez pas donc de faire votre exercice. Ça va te permettre de faire une cure personnelle. Donc, tu prends la feuille, tu notes juste tout ce dont tu te souviens comme combat. Si tu penses que tu as besoin de détails, détaille-le. Ce n'est pas que je vais le lire forcément. Hein? Il faut le faire pour toi-même. Il faut juste en parler et puis on va prier. Et à partir de là, tu vas mieux comprendre qu'on va toucher maintenant la classe de l'appel. Peut-être qu'il y a longtemps, Dieu t'a appelé, il t'a montré des choses, mais bon, tu as rejeté. OK? Voilà. Amen. Parce qu'une sentinelle se tient à son poste. Or, si tu n'es pas à ton poste parce que j'ai reçu ton appel, c'est très difficile d'intercéder comme sentinelle. Que la faveur divine soit avec vous, que Dieu vous donne en 2022 des victoires que vous n'avez jamais connues, que le Seigneur vous conduise à une dimension élevée, que toutes les choses que vous avez perdues dans les années précédentes, que le Seigneur les restaure dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare une saison de restauration divine, que tout ce que l'ennemi a bâti dans votre vie comme frustration, déception, découragement soit arraché, ôté dans le nom de Jésus, que le Seigneur par son bras puissant arrache cela dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui me suivent, qui sont sous des liens de maladie, de faiblesse physique, morale, émotionnelle, que la main puissante de Dieu vous délivre et vous restaure et vous conduise dans ses voies droites. Qu'il te fasse sortir du filet de l'oiseleur. Qu'il te fasse sortir des pièges qui t'ont été tendus. Brinda surubara la clarianta brada surubara la bribara la sota. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce divine au nom de Jésus. Et là, ok, gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen.